Salut tout le monde, je suis Mikarob Gaming et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tales of Vesperia. Dans le dernier épisode, nous avons revu Hoffman, hein, la chef de la guilde des marchands, qui nous a proposé un travail pour en fait combattre des espèces de monstres marins qui l'empêchent en fait d'aller livrer un colis. Sauf que, pourquoi je dis sauf que? Quand j'y suis arrivé, quand on est arrivé à ce moment-là, on va dire où il y a les monstres, on les a combattus, et en fait, bah, il y a Patty qui était dans le ventre d'un monstre, tranquillou, au chaud. Et donc, bah, le navigateur a été blessé, et Patty bah, s'est proposé de naviguer, en attendant que le navigateur qui était en charge au tout début, se rétablisse. Et c'était la soignée, mais il fallait qu'il se repose. Donc voilà, et nous avons percuté un vaisseau fantôme, puisque bah il est totalement, il est en mauvais état, tout ça. Donc voilà, donc on est en train de l'explorer. Et il nous a foncé dessus. Voilà. Désolé, Rupid, je t'ai devancé. Ouais, je l'ai eu. Fiole sacré, ok. Il repop à chaque fois qu'on sort ou on rentre d'une pièce. Enfin, qu'on sort de quelque chose, quoi. En fait, les attaques spéciales arrivent en fait au moment où on le tue, quoi. Donc... Non, merci. On va faire le tour. À moins qu'il y en ait un autre là, parce que je crois qu'il y en a. Il y a eu un fantôme là, ouais. Bon, on n'a pas le choix. Ah bah non, c'est bon. Attends. Je suis arrivé d'où? Ouais. Là, on peut pas y aller. On doit refaire... On va aller ici. Ouais, tu viens juste de poser la main dessus, donc Bah, comment dire, ça doit faire des centaines d'années qu'il est dans cet état, et au bout d'un moment, bah, le bois, bah, je sais pas, il est rongé ou un truc comme ça. おとなしくしてろって言われてなかった。まあ、私はいいけどさ。それ式の言葉では激しく燃える冒険心の炎を消すことはできるのじゃ。つまり船の中を探検したいと。船からお宝の匂いがするのじゃ。俺様今鼻詰まりなのよね。
じゃあ、まあ、ついといてよ。のがり、お宝を取ろ、山分けよ。8人で手を打つのじゃ。しょうがないわ。ちゃんと戻ってこいよ。このまま漂流はごめんだからな。さすがに俺たちだけだとちょっと心細いっすね。そういうこと言わない。もっと楽しくなる話をなさい。すいません。 Patty a rejoint le groupe. Une page a été rajoutée dans le livre de combat. Estelle parle toute seule. Yuri tachi wa shinpai desu ga, sasuga ni kono furiki wa chotto kowai desu ne. Hayaku itte, hayaku kaete konai to. Ok, donc là je contrôle Estelle. Alors attends. Non, pas ça. Regardez. Ça baisse l'attaque magique. Mais c'est vrai que je m'en foutais de ça. Ok. C'est bon. Là, il n'y avait rien d'autre. Ah, attends. Je sais. C'est attaque physique, elle. Hein. 64, 75, 69. On va lui mettre ça. C'est la défense physique, ça. Ah, alors attendez, je reviens. Ok, c'est bon. J'ai eu. Pardon, j'ai eu un ami qui m'a appelé. Donc voilà. Non, c'est pas ça que je veux faire. Tant pis. C'est pas facile de contrôler Estelle. Hein. Je laisse les autres faire. Hein. Fait décoller une fusée. Ah oui. Alors maintenant que j'ai elle, c'est vrai. On va faire sa garde-robe. Garde-robe. C'est où déjà? Eta, voilà. Alors attends, c'est vrai que c'est dans objet. Enfin, c'est pas dans l'objet, c'est dans ça. Ouais. Voilà, j'ai plus rien. État. Cuisinière professionnelle. Son couteau. Pardon. Son couteau danse sur la planche à découper et l'odeur des épices se dégage dans l'air. Elle adore le poisson. Nouveau. Pirate héroïque. Ce n'est pas un titre qu'elle s'est donné, mais soudainement, les gens l'appelaient la pirate héroïque. Fan de Festival Junior. C'est un festival. Il est temps d'attraper des poissons rouges et des pommes. C'est l'heure de la fête. Petite fille du président. Une élève de Saint-Vesperia Hike. Les rumeurs disent qu'elle est la petite fille d'un mania légendaire. Héros de Cruxis. Un héros qui cherche à ranimer sa sœur et sauver le monde en éliminant les inégalités. Foreur légendaire. Le plus grand foreur du monde, courageux et droit, il est animé d'un espoir inébranlable. La reine des pirates. La reine des pirates, elle navigue sur les mers à la recherche d'un trésor et d'espoir. Et ben ça sera celui-là qu'on lui mettra. Hein ? Ça lui va très bien. En fait, c'est son costume actuel, mais en rouge. Si on regarde bien les autres. Elle est toute mimi comme ça.
narrateur. Ou alors celui-là. Il a l'air pas mal. Soit celui-là. Ou soit celui-là. On va mettre celui-là, je pense. Non, plutôt celui-là. Nouveau pirate. Ça lui va très bien. Et ça change. Parce que l'autre, hein, c'est le même en rouge, quoi. C'est tout. Ok. Bon, bah finalement, j'ai mis le costume rouge. Là, celui-là. Qui ressemble un peu à celui qu'elle a de base. Mais ça a l'air plus classe. L'autre aussi était bien. Ça fait un peu Jack Sparrow. Mais bon. Bah, j'ai juste leur... Je vais changer. On va prendre elle. Juste voir, en fait, par rapport au... Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Je n'ai plus envie de rester ici. Moi, peur. D'accord, cherchons un autre chemin. Plutôt qu'un Remora. Ok, donc là on est obligé de grimper. Vu que le mât s'est effondré, enfin en tout cas le haut du mât. Un oiseau! Mais non! Pourquoi c'est Estelle que je contrôle? Oula! J'ai pas compris pourquoi c'est Estelle que je contrôlais alors que j'ai choisi elle. Ah! Voilà pourquoi. C'est vrai que j'avais oublié qu'il faut les placer. Faut placer la personne que tu veux contrôler. Alors attends. Non, c'est bon. Je vais quand même vérifier. だから、インスタンアフュテ。お嬢ちゃん、どうしておっさんからそんなに離れて歩くの?ユーリに誤解されたら困るのじゃ。誤解?うちとユーリはラブラブなんじゃ。心配しなくても、お嬢ちゃんはおっさんの守備範囲外よ。ごまかしても無駄じゃ。おっさんはもう、うちの魅力にメロメロっとしてるのじゃ。どこまで本気で言ってるのかね。うちの勘が警告しとるんじゃ。 Elle me fait penser à un personnage de Full Metal Alchemist. Je sais plus quel, mais elle me fait penser à un personnage là-dedans. Ouais. Bah non, vu que je suis à fond. C'est tout. Ah purée. J'ai pas vu, je l'ai... Enfin, je l'ai vu avant qu'il volait là, mais... Attends, faut que je me casse. Ah! Mal. Bon, Estelle et Rita sont nuls à contrôler, dans le sens où pas nuls, mais quand tu les contrôles, en fait, bah elles ont très peu d'attaque physique dans le truc de, dans le sens où elles ont pas beaucoup de dégâts, elles font pas beaucoup de dégâts, et
Et en termes de magie, ça va, mais elles mettent un petit peu de temps avant d'attaquer. Donc, ce qui fait qu'il faut qu'elles soient toujours en arrière pour pouvoir attaquer. Et les autres, en fait, physiques, bah là, par exemple, Raven et Patty, doivent comment s'appelle, les occuper en attendant que Estelle et Rita fassent leur attaque magique. Donc, on va prendre toi. Et on va essayer. Et lui, il fait un peu d'attaque physique et à distance aussi. Donc, on va voir, il fait un peu les deux. J'ai pas le choix, de toute façon, j'ai le celui qui a l'anneau, c'est Yori. Voilà, je l'ai eu. Donc, chasseur au trésor. Enfin, chasse au trésor. C'est trop drôle. Ok, on va changer aussi. Tac. On va voir chaque personnage. Non, c'est bon. Elle court vite hein, quand même. J'ai touché. Mais attends, j'ai pas fait les autres attaques. Nanda, bougie, j'en ai non. Oi, oi, au moins, elle a mouki, tu m'as pas l'envoyé. Chicamo, nani, tu l'étais qui t'aime d'ailleurs. Tu l'étais qui t'a waké, j'en ai n'aïn d'aketo. Yuri, n'y aïe, n'y quitte à nos gens. 同郷あるお嬢さんだな。でも今更か。海辺のシーラカンスより度胸はあることを折り紙付きなのじゃ。同郷があるのは知ってるよ。でなきゃあの豪作爺爺の屋敷に一人で乗り込まねえだろ。ラゴーの屋敷のことですね。船の方は大丈夫なんだよ。こんなところ早く出ようよ。 幽霊の仕業じゃな。嘘でしょ。きっとこの船の悪霊たちが私たちを仲間入りさせようと船底で相談してるんです。変な想像しないでよ。ありえねえって。そこがダメなら別の出口を探すまでだ。そうね。行きましょう。 Pour l'instant, il n'y a que 4 hein, dans le groupe hein, qui sont. Comment dire? Pas sains d'esprit, mais dans le sens. Enfin, si, ils sont sains d'esprit, mais dans le sens où ils sont tranquilles, ils ont pas peur du tout. Judith, Yuri, Patty et Rupid. C'est les 4 qui sont, en fait, la moitié de l'équipe quasiment, qui sont tranquilles. Rallye à tous! La raison. Attends, la raison d'être des monstres.僕たち随分たくさんの敵と戦ってきたね。これだけ戦っても魔物っていなくならないものなんですね。エステルらしい発想だわ。俺たちの力で簡単にいなくなるんだったら結界なんていらないだろう。けどどうして魔物っているんだろう。人間に倒されるためよ。あら、また極端なこと言うのね。だって魔物なんてそれ以外に百害あって一理なしでしょ。本当にそうなんでしょうか。 そこにいるからには何か意味があるような。 深く考えてもしょうがねえでしょう。
そんなこと言い出したら人間だってどうしているんだってことになっちまうしね。そうですね。どうしてなんでしょう。またややこしいこと言うなよ、おっさん。いや、それ以上考えるなって意味で言ったつもりだったんだけど。Ok, donc là il y aurait tout cela. Je vais comment s'appelle voir les autres attaques de Patty d'abord. Ah, il est sur l'escalier là, le monstre. Enfin, le fantôme. Attends, faut que je regarde tout ça. Je sais même plus qui a eu la capacité. Alors, toi déjà. Comme j'ai dit, ça on s'en fout. Ok. Ça fout aussi. Là c'est fait alors. Qu'est-ce que je peux te mettre? 863. Gelée d'orange. Je crois que j'en ai utilisé deux. Donc alors attends, on va changer. On va prendre Carole. On va mettre ça. Une petite fille terrifiée. Rita, d'ajoute des sous. Naniga, d'ajoute une qui m'attire des choses. Ça, ça te déroule, yo. Non, yo. C'est quoi que tu t'en d'accord? Yukuri, je t'ai qui m'a chou, yo. Yukuri, n'a pas de la neige. 私にはリアルのことを調べるっていう大切な使命があるんだからね。別にタイは鏡の向こうに変な顔。違うわ。これはなんかかわいそうになってきたわね。彼女のためにも早く目的を果たしましょう。はい、そうした方がいいかと。par contre、j'ai oublié le fantôme.J'ai pas eu le temps de faire les attaques, Estelle. Je suis en pleine expérimentation là. Oh, un grand miroir. Un squelette, oui.Normal. Prenez du temps là. Et un livre, d'accord. Asuru Reki 232年, Bruelle no Tsuki 13?De guerre à peu près, je crois. アスール歴もブルエールの月も帝国ができる前の暦ですね。千年以上も昔か。そんなに。船が漂流して40と5日。水も食料も塔に尽きた。しかし私は行けない。用無限の町にクリアシエルを届けなくては。魔物を退ける力を持つ。クリアシエルがあれば町は助かる。クリアシエルを例の赤の小箱に収めた。ユイファンにもらった大切な箱だ。彼女にももう少しで会える。みんなでも結局この人は町に帰れず、ここで亡くなってしまわれたんですね。エステル、千年も前の話よ。そんな長い間この船は広い海をさまよっておったのじゃな。寂しいの。僕、用無限なんて町聞いたことないな。これが本当に千年前の記録なら、町だって残ってるかどうか。まあ、そうだよな。クリアシエルってのは知らない。うん、魔物を退ける力ね。Bah, c'était en fait un cristal, enfin un blastia. Quelqu'un みたいなものじゃないかしら。その辺にないか。探してみるのじゃ。
mieux ensemble. やっぱりみんな一緒だと心強いですね。こういう時に実感するな。協力することの大切さをさ。まあそうね。ガキンチョにしては良いこと言うじゃない。協力らしいことは一切やってないけどな。まあいいじゃない。一緒にいて怖さが和らぐなら。そんな簡単なもんかね。ギャー！あそこにボホレーの影が。 Ah, là, je te jure. Non, on n'examine rien pour l'instant. Enfin, si, on peut examiner. Mais... Chapeau de pirate. Ok, bon, ça, c'est pour l'autre. Fiole, on peut pas. Je suis à fond. 4000. Merci! On pas choix. これじゃないか。なんか大切そうに抱えてるわね。これがクリアシエルかな。日誌に書かれた通りならこれがそうだろうな。おっさん取ってよ。リーダー、ヤドっての何言い出すのよまったくこのワコードは。Faites-le aussi. Il a pas vraiment peur. Je suis sûr que c'est faux.いい年しておっさんは怖がりなのじゃ。そういうパティちゃんはどうなのよ。子供と張り合うなよ。いい年して。はい。Elle a arraché。ドシャドシャドス。ジューディスちゃん、大胆だね。呪われちゃうかしら。あれ、開かないぞ。Quoi? Oula! Il est dans la pièce, mais on l'a pas. Je l'ai pas percuté! Oh! Donc, ça, ça y était pas dans l'histoire originale. Hein. Déjà, le voilà, pas les voilà. Ah putain, et moi j'ai Carole! Ça va être un peu complexe, ça. Super, d'accord. Je l'ai mis à terre. Putain, mais oh! C'est mal. Attends, je vais faire un truc aussi. C'est où? Loupe magique. 73 410. Il en a 52 000 là. Bon, on a déjà pas, on a de la meuble, pardon. Bien fait. Mais Carole, il s'en prend plein la gueule. Ah, j'ai pas eu le temps. J'ai réussi à le faire. Ah non. C'est quoi déjà pour se protéger? Merci.
Ah, c'est bon, on l'a eu. Mission secrète 8. Oh. En succès. Bon, on s'en est sorti. On l'a vaincu, mais il est pas mort. ギルドの仕事に加えてもらえないでしょうか。ダメだよエステル。基本的に僕たちみたいなちっちゃなギルドは一つの仕事を完了するまで次の仕事は受けないんだ。一つ一つしっかり仕事していくのがギルドの信用につながるからな。あら、またその子の当てもない話でギルドが右往左往するの。ちょっとあんた他に言い方があるんじゃないの。リタ待って。ごめんなさいジュディス。でもこの人の思いを届けてあげたい。待っている人に。待ってる人っつっても千年も前の話なんだよな。C'est sûr, oui. さすがに千年は待ちくたびれるのじゃ。そういうことじゃないと思うんだけど。私が探す。リタ。フェロー探しとエステルの護衛。あんたたちはあんたたちの仕事やりゃいいでしょ。私は勝手にやる。じゃあ僕も付き合うよ。暇なら俺も付き合ってもいいぜ。ちょっとあんたたちは仕事やってりゃいいのよ。どうせ俺たちについてくんだろ。だったら仕事外として少し手伝う分には問題ない。ありがとうございます。ワコードは元気があっていいね。みんな仲が良いのじゃ。リタね、いいの。あ、私は喜んでなんてないわよ。そうなのかの。あ、どうかした。外になんか煙みたいなのが。Comment ça? Le fumée? Du bateau? Ah oui, ça doit être eux qui l'ont tiré. Oh, 発煙筒か。セロスブラスティア治ったか。戻ってみようよ。そんなこと言っても来た道戻れなくなっちゃってるわよ。何かいい方法がないか探してみましょう。Boîte rouge. La boîte. やっぱり何をやってもクリアシールの箱は開かないわね。こんな怪しげな場所にあったものだから中身の確認ぐらいはしておきたいのに。魔術で壊しちゃうとか。それはダメよ。そうですね。中身まで壊れたら届けられなくなってしまいます。いやそうじゃなくて、もう試したけどこいつがなかなか頑丈で壊れなかったのよ。うまい言葉が見つかりません。いいんだよエステル、無理にフォローしなくても。とにかく中身がすごく大切なものだから頑丈な箱に入れたってことですよね。ふん。Ok, on va soigner l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, Rita, si, mais. Là. Ici. Voilà. Donc, attends, on va changer. On va prendre Rupid. Et maintenant, on peut la voir. Parce que dans la. Dans l'histoire originale, on pouvait pas contrôler Ripid. Bah, je crois qu'on pouvait le contrôler, mais que en combat. Et à l'extérieur, on pouvait pas. C'est cool de l'avoir. Et comment je fais pour remonter, alors ? Ah, ça monte et ça charge, en fait. Vu qu'il peut pas monter lui-même. Ah !
覚悟しな。Ah oui, ils ont... Attends. Symbole sacré. C'est bon. Ah si ? Ah, il peut grimper. Je pensais que ça chargerait vu que bah, c'est un chien. Sauge. Franchement très fort ce Ripide. En combat et en même temps en grimpage. 10 000 Jills. Enfin, Gald Jills, ça c'est dans les FF. Alors, par contre, on va par où? C'était là, toi. Là, il y a là. Y'a pas un autre endroit? Attends, le trou. Non, on peut pas. Obligé de redescendre. On est passé par la porte, donc on va passer par ici. Ah! Et on va sauvegarder et s'arrêter là. Ok, ça c'est fait. Bon, j'arrive pas trop à combattre avec Ripide. Je pensais que ça serait moins compliqué avec lui. On va faire avec elle. Dans le prochain épisode, bien sûr. Donc, likez la vidéo avec un gros pouce bleu, les amis, hein, si ça vous a plu. Abonnez-vous. Non, je me suis encore gouré. Likez la vidéo avec un gros pouce bleu. Partagez avec vos amis. Voilà, c'est mieux, je me suis retrouvé. Partagez avec vos amis. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao. Because I know I'll kill my enemies when they